Quand on s'intéresse au voile d'Isis qui recouvre la réalité, à l'invisible et à la spiritualité, on croise de façon irrémédiable le chemin de ce que les gens appellent le New Age. Mais est-ce que vous savez véritablement ce qu'est le New Age? Quelles sont ses caractéristiques, ses qualités et ses défauts? Je vais essayer dans cette vidéo de vous exposer un point de vue global, en essayant de rester le plus objectif possible, même si cela risque d'être hautement difficile. Plusieurs événements et personnages vont mener à la création de ce courant spirituel. On peut citer Elena Blavatsky, qui a tenté de réunir la spiritualité occidentale et orientale pour former la théosophie. En 1980, Marilyn Ferguson, qui publia Les Enfants du Verseau, va théoriser l'apparition d'un nouvel âge basé sur les calculs astrologiques, l'âge du Verseau, et permettra à l'humanité de développer son potentiel spirituel. Dans les années 90, Lee Carroll prétendra être en contact avec l'ange Kryon, qui lui indiquera l'imminence d'une apocalypse et la venue sur Terre des enfants indigos. C'est un apport important au New Age, transformant des enfants hypersensibles, surdoués ou capricieux, en messies des étoiles. Le New Age est donc une idéologie. Elle véhicule des idées, une forme de philosophie et des règles de comportement individuel et collectif. En réalité, la doctrine du Nouvel Âge n'est pas une rupture avec ce qui se faisait avant. Elle utilise les mêmes leviers qu'une idéologie religieuse. Il y a peu de différences. En effet, le monde va mal, et l'idéologie New Age est vue comme une solution pour les individualités et les communautés, comme la religion chrétienne, ou musulmane ou autre, est vue comme une solution permettant d'accéder à l'harmonie, au bonheur, à l'édification d'une communauté équilibrée et à la préparation au jugement dernier. Nous sommes donc face à une proposition, certes éclectique, mais banale. En fait, cela ne ressemble à rien. En effet, il n'y a pas de hiérarchie, et il est très difficile d'en dessiner le contour. C'est en tout cas un melting pot, composé de tout ce qui est subtil ou alternatif, et on va avoir besoin d'un schéma pour y voir plus clair. Le schéma ne se veut pas exhaustif, et je vous le mets à l'écran tout de suite. On va dire que la source du courant New Age est un mélange de plusieurs choses, mis en place de façon successive durant les siècles derniers. On peut même dire qu'il est le tenant d'une tradition très ancienne, multimillénaire, et si on en se réfère aux doctrines et aux dogmes, pour certaines cultures, courants ou traditions, de l'Atlantide lui-même, ou des grands maîtres spirituels qui ont foulé cette terre. Tous les courants ou idées que l'on trouve dans la bulle rouge appartiennent à la zone d'influence du New Age, et où on peut le considérer comme New Age. Mais dans l'absolu, pour une personne peu attentive, toutes les catégories sont forcément et nécessairement New Age, dénigrant au passage quelquefois des traditions d'origine. En effet, qu'est-ce que dirait un chaman amérindien, ou un chaman de Sibérie, un mystique soufiste, un fakir, un maguiste suivant les plus pures traditions chaldéennes, ou un tenant des doctrines taoïstes? Ils seraient peut-être surpris de savoir qu'ils font partie du New Age, ou que leurs connaissances, leurs traditions sont véhiculées par des personnes qui ne sont pas forcément compétentes en la matière. Bien sûr, ne généralisons pas, il y a des auteurs provenant de ces traditions pures qui écrivent des bouquins, qui font des stages et qui sont considérés de toute façon comme du New Age en Occident. C'est pour cette raison que dans chaque catégorie qui fait partie de la zone d'influence New Age, il peut y avoir des choses extrêmement sérieuses, des praticiens intègres et efficaces malgré les dogmes, malgré peut-être des croyances qu'on veut imposer aux autres. On peut partir du principe que ce qui fait du bien ne peut pas être mauvais. Il faut quand même avoir un regard critique. Par exemple, on va avoir tout le marketing sur la pensée positive et la loi de l'attraction. Les courants sur les enfants indigos qui met l'importance sur la détection et l'éducation d'enfants considérés comme spéciales ou venant des étoiles. Tout ce qui est thérapie énergétique, le bon comme le mauvais. Le bouddhisme à l'occidental qui a été vu au départ comme une chose un peu New Age avec de la méditation. Mais qu'on peut enlever maintenant de la sphère d'influence du New Age, je pense, parce qu'il a eu un développement en Occident qui n'a peut-être rien à voir avec ses débuts, donc j'ai pas forcément toutes les connaissances sur ça. Nous avons aussi toutes les croyances et pratiques dérivées de l'hindouisme avec le système des chakras et mélangées avec le système chinois des méridiens. Enfin, on a aussi le voyage astral quand il est abordé sous le seul prisme des croyances. C'est-à-dire que je vis une expérience, cette expérience-là va
servir à justifier une de mes croyances, et je vais prendre ça pour une réalité objectivable, que je vais proposer à tout le monde dans le meilleur des cas, ou imposer de façon dogmatique. Par exemple, je fais une sortie hors du corps, et je rencontre un être christique qui me donne des enseignements qu'il faut absolument que je partage avec l'humanité. Cette catégorie-là pouvant se mélanger avec celle des canalisations et extraterrestres porteurs de messages universels, par exemple en sortie hors du corps ou lors d'une canalisation, je vais rencontrer un pléiadien qui va me fournir plein d'enseignements métaphysiques qui ne vont pas changer grand-chose en réalité, ou qu'on a déjà entendu des milliards de fois. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Il s'agit d'expériences parce que ces personnes vivent des expériences de conscience, mais qu'ils vont moduler sous le prisme de la croyance qu'ils ont au préalable. Et cela doit être notifié au départ à tous les lecteurs, et je pense que la plupart le font. Comme ça, on est honnête intellectuellement. Si je devais moi-même partager des plans métaphysiques d'un être inconnu que j'aurais rencontré en sortir du corps, je vous dirais, écoutez, j'ai des croyances à propos de ça, ça et ça, ne prenez pas pour argent comptant, je vous raconte tel que ça s'est passé, et je ne prétends pas que ce soit un message universel qui doit changer le monde. Il faut être vraiment honnête par rapport à ça. On a aussi le courant des maîtres ascensionnés, qui voit certains pratiquants penser sincèrement être des réincarnations d'un être supérieur venu pour apporter la sagesse sur Terre. Il y a là un terreau fertile pour la production de gourous modernes. J'en ai rencontré quelques-uns sur Discord qui pensaient véritablement être des réincarnations de maîtres ascensionnés, qui ont fait le sacrifice de se réincarner sur Terre pour nous, mais dont le discours était flou, dangereux, inconsistant, pas forcément basé sur l'expérimentation réelle. Et souvent des jeunes, de la vingtaine, qui peut-être cherchent à se construire une identité. Et c'est tout à fait louable, mais le problème, c'est que quand on partage ce genre de conviction, on peut très bien construire autour de nous une communauté qui va boire nos paroles. Cela alimente et donne une certaine autorité et les rend légitimes par rapport aux autres. Le dernier en date disait avoir 300 de QI, qu'il ne s'est jamais fait tester par un psychologue parce qu'il n'en avait pas besoin, parce que c'était des limitations, et enfin qu'il portait en lui une énergie christique qui allait faire partie des grands changements majeurs de l'humanité dans quelques années. Mais en le mettant face à ses contradictions, il a tout simplement quitté le serveur, en nous reprochant quelque chose que nous n'étions pas prêts pour recevoir tout ce qu'il avait à offrir. On peut très bien se donner une mission de vie importante ou spirituelle, mais on n'a pas besoin de l'approbation des autres, du regard des autres et de leur admiration pour le faire. Sur le schéma, j'ai placé des courants qui vont venir nourrir le New Age avec leurs dogmes et leurs doctrines. On retrouve par exemple naturellement la théosophie, la conscientologie qui reste une pseudo-science, même si j'ai beaucoup de sympathie pour la conscientologie, ce n'est pas une science, c'est une pseudo-science. La conscientologie étant, comme Valdo Vieira le décrit, la science qui étudie la conscience d'une manière intégrale, holosomatique, multidimensionnelle, multi-existentielle, et surtout, selon ses réactions par rapport à la matière subtile, le pensen et ses multiples états. Si tout cela vous est inconnu, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur Valdo Vieira et la conscientologie. En tout cas, c'est une sorte d'introduction qui peut vous introduire à cette façon de penser la conscience. Nous avons à côté la sortie hors du corps, mais vécue de façon rationnelle, c'est-à-dire j'ai vécu une expérience et je ne vais pas chercher à en tirer des conclusions spirituelles que je vais partager absolument avec autrui, mais juste dire que peut-être, la conscience est délocalisée du corps, que peut-être nous avons effectivement des réincarnations ou des vies, on ne sait pas trop. C'est un peu là-dedans que je mettrai Valdo Vieira, Sylvain Meloun, Marc Auburn, peut-être un peu Robert Bruce, même s'ils ont tous quand même un message spirituel qui se greffe à côté. L'important étant que c'est des personnes qui sont capables de faire beaucoup, de sortir du corps et qui savent de quoi ils parlent. Si on devait garder que la substance de ce courant, alors on pourrait mettre en avant ces quelques éléments que je vais critiquer et nuancer bien sûr. Nous avons déjà le millénarisme, un nouvel âge réminiscent ou pas est en cours. Pourquoi pas, nos parents et arrière-grands-parents ont eux aussi vécu des événements qui laissaient présager qu'un nouvel âge arrive. De même pour nos ancêtres, mais quid des autres cultures du monde, comme la Chine ou l'Afrique? Ce nouvel âge les concerne-t-il? Peut-être ont-ils une autre façon de voir les choses? L'astrologie chinoise est tout aussi complexe et ne corrobore peut-être pas l'affirmation de l'arrivée imminente de l'âge du Verseau. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes à un nouvel âge de l'information. Et ce nouvel âge de l'information permet de diffuser un maximum de messages spirituels. Donc forcément, cela peut changer des consciences. La place du soi, avec le détachement de l'ego. Les moins informés parleront de dissoudre l'ego.
c'est techniquement impossible sans en devenir un légume dénué de volonté propre. On peut cependant le calmer. Et quand je dis « le », je parle de façon spécifique du logiciel mental. Il a le droit, lui aussi, de se relaxer, et avoir un mental actif n'empêche pas d'accéder à des sorties du corps ou des états mystiques profonds. Nous avons ensuite le culte de la source. Dans le courant New Age, on a renommé Dieu en l'appelant la source. Cette force de création ou conscience primordiale possède les caractères d'immanence et d'émanation, qu'Ibn Arabi décrivait déjà pour définir Allah. Cette source est donc une chose, à défaut d'être un être, inaccessible, mais dont on retrouve la trace dans tout l'univers. Ce qu'en dit le New Age n'est pas nouveau, bien entendu, et semble logique si on admet l'existence d'une première intelligence créatrice. Néanmoins, on remarque tout de même des discours visant à prôner la réintégration à la source, vers une unité rassurante où l'on se fond. Le problème, c'est qu'il est souvent présenté comme une fin en soi. Nous pouvons très bien vivre des moments d'expansion et prendre conscience de l'unité du cosmos de façon éphémère. Mais en réalité, nous, pauvres humains, d'une planète grain de sable au milieu de milliards d'autres planètes de trilliards d'étoiles, qu'est-ce qui nous fait penser que véritablement tout doit revenir à la source? C'est une croyance, et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi valables. La croyance en l'amour inconditionnel, très souvent utilisée comme faire valoir spirituel. Le véritable danger de l'amour inconditionnel, c'est le risque de perdre sa boussole et d'accepter les abus imposés par autrui. Le rejet de la dualité, l'unité, la source est parfaite, aussi il n'y a pas de bien ni de mal. Cette croyance peut conduire les pratiquants spirituels à devenir apathiques. L'action visant à améliorer, lutter, se confronter à une chose que l'on considère comme inacceptable selon ses valeurs sera considérée comme non spirituelle. Souvent, on déplore un manque de connaissances. On aborde plusieurs éléments constitutifs du New Age, comme l'anatomie occulte, un peu de chakra, un peu de méditation, de la magie de façon superficielle. Du coup, certains tenants du New Age, pas tous bien sûr, ne seront pas des candidats très sérieux dans ce domaine. Bien sûr, il y en a d'autres qui passent par le New Age et vont ensuite tellement devenir des experts dans une tradition, ils arrivent un petit peu à dépasser cette étiquette et avoir une pratique sérieuse, intellectuellement, psychiquement et magiquement même. Et du coup, le New Ager, quand il débute, peut donc ressembler dans l'extrême négatif à une personne dans le déni, apathique, parlant de dissolution de son ego pour paraître spirituel, avec un rejet pour certaines réalités matérielles. C'est le stade du légume, et on est tous passés par là. J'ai eu, comme tout le monde, ma petite période Dark New Age Necronomicon quand j'étais adolescent. Ce tableau est peu flatteur, j'en conviens. Mais j'ai parlé d'un extrême, et je pense qu'il y a du bon aussi, même si quelquefois je perds patience face à certains discours emplis de certitudes. Le New Age a permis à des expérienceurs de mettre des mots aux phénomènes qu'ils ont vécus. L'Occident a pu s'ouvrir à des techniques et courants spirituels orientaux. Certains se sont certainement spécialisés au point d'accéder à des connaissances et pratiques pointues. Pour vous dire la vérité, la pensée New Age m'agace pour une chose. Elle agit sur moi comme le ferait une religion. C'est-à-dire que je ressens le même malaise avec cette impression que l'on souhaite m'enfermer dans un carcan qui ne me sied absolument pas. Néanmoins, il y a des pratiques qui fonctionnent, et des systèmes de croyances qui peuvent séduire, et on a le droit de croire à ce qu'on veut, tant qu'on ne vient pas présenter cela à autrui comme une vérité absolue, et qu'on ne tombe pas sous l'influence d'un gourou du nouvel âge. Tant qu'on fait preuve de discernement, d'intelligence avec un esprit curieux, souhaitant expérimenter tous les possibles, alors on peut très bien se revendiquer comme étant l'enfant de l'âge du Verseau.